Salut à tous, c'est Malt. Et Pyro. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, c'est un peu spécial, hein. Première fois qu'on monte nos têtes déjà. Ouais, déjà, mais carrément spécial parce que ouais, on monte nos têtes. Et surtout, c'est pour vous remercier des 1000 abonnés qui sont tombés il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est vrai, c'est tout récent. On a réussi à tourner la vidéo assez vite pour vous la présenter. On a décidé de faire un truc un peu spécial pour marquer le coup pour les 1000 abonnés parce qu'on est vraiment très très contents. Donc déjà, merci à tous. Merci, ouais. Ça nous fait très plaisir. En gros, on a commencé la chaîne au début de l'été et puis voilà, maintenant, on est en novembre et on a atteint les 1000 abonnés, donc ça nous fait vraiment très plaisir. Ouais, c'est énorme, on ne s'attendait pas à ça en commençant notre chaîne, vraiment pas, on voyait les grosses pointures de YouTube, on n'imaginait pas pouvoir rivaliser plus ou moins avec eux, on rivalise pas avec eux, mais on atteint un niveau sympa et donc on est content. Ouais, on est vraiment très content. Donc ben voilà, pour la peine, on a décidé de faire un truc particulier, un truc vraiment spécial, et en tout cas on espère que ça va vous plaire, et puis on va commencer à en parler dès maintenant. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il y a marqué concours 1000 abos. Certainement, c'est le premier truc qui est. Donc, de toute façon, vous savez ce qui vous attend dans cette vidéo. Alors, bah, écoutez, on va passer un peu plus précisément à ce concours. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour participer? Tout d'abord, et je pense que c'est une règle qu'on applique parce que ça paraît logique, il va falloir être abonné à la chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on fait ce concours pour récompenser nos 1000 abonnés. Donc voilà, c'est pour vraiment, on va faire gagner des choses, mais seulement à nos abonnés. Donc pour participer déjà, soyez bien sûr d'être abonné à la chaîne, c'est très important. Ouais. On vérifiera d'ailleurs, si les gagnants sont abonnés ou pas. Voilà. Ouais. Ensuite, on va vous parler peut-être des lots. Ouais, des lots, en fait on a 3 lots pour 3 gagnants. Exactement. D'une valeur qui correspond aux places, tout simplement. C'est plutôt des lots sympas, ça change de dernier concours qui n'était pas très réussi. On espère que les lots vous plairont un peu plus. Vous prendrez la peine de participer à ce concours, quoi. Voilà, donc on vous expliquera juste après comment participer. Mais regardez tout d'abord les lots. Donc en troisième place, le troisième gagnera 2 boosters. Je vous les montre un petit peu, mais vous vous en doutez. C'est 2 boosters Explosion Plasma. Donc les tout derniers hein, qui sont sortis le 9 novembre, exactement. Deuxième place, un petit peu mieux et puis même plutôt sympa, puisqu'il s'agit d'un tripack. Tripack Explosion Plasma, l'image Genesect que vous voyez ici. Il y a aussi le petit jeton. Et il y a un booster glaciation à l'intérieur. Voilà, ça c'est la deuxième place. Et le premier, le grand gagnant, aura quelque chose qu'on a déjà ouvert sur notre chaîne. Si vous vous souvenez, on était plutôt contents de les avoir trouvés, ils sont vraiment pas mal. Voilà, on vous mettra dans la description le lien des ouvertures pour que vous mettiez une idée un peu de qu'est-ce que c'est. C'est le coffret collector. Alors qu'est-ce que c'est le coffret? Je vais vous rappeler rapidement ce qu'il y a dedans. Il y a une carte promo Pikachu, c'est une Pop 9, le Pikachu Pop 9. Ici, il y a un portfolio petit format A5, et il y a 8 boosters. Avec de tête, des boosters indomptables, déchaînement, platine vainqueur suplême, platine de base, platine rivaux émergents, je suis un peu trompé. Il y a pas mal de trucs. Il y a 8 boosters, une carte promo et le portfolio. Je pense que c'est un beau premier lot quand même, c'est des boosters un petit peu anciens. Pas introuvable, mais un petit peu ancien, il y a quand même 8 boosters. 8 boosters, portfolio, une plus carte promo. C'est un beau premier lot quand même. En tout cas, on espère que ça vous plaît. Et donc tout ça sera à gagner avec les règles suivantes. Voilà. Alors, pour participer, il va falloir mettre un commentaire, mais pas n'importe lequel. On va vous expliquer. Vous vous en doutez, on vient de commander tous nos items Explosion Plasma. On les a commandés d'ailleurs chez Philibert, si ça vous intéresse. Tu parles de commentaire dans cette vidéo-là, précisément. Il est très important pour participer de mettre un commentaire dans cette vidéo. Et le commentaire, ça ne va pas devoir être n'importe quoi. Il va tout simplement falloir que vous fassiez une estimation, un espèce de pronostic sur la carte ultra rare, la première que Pyro et moi tomberont en premier lors de notre ouverture de display Explosion Plasma. C'est une phrase un peu compliquée que tu nous as faite. Moi-même, j'ai plus de souffle. Donc, pour faire simple, en gros... Je vais résumer. Voilà. En gros, quand on ouvrira les displays, on espère bien entendu tomber des ultras. On espère tomber des ultras, je pense que c'est ce qui est plutôt normal. Et en fait, à vous d'estimer quelles seront la première ultra pour Pyro, pour moi-même, donc Pyro, et la première ultra pour Volt. Donc tout simple, le commentaire sera basé, vous mettrez Volt 2 points votre estimation et Pyro 2 points l'estimation. Voilà. Et donc de ça, on résultera la première, deuxième, troisième place. Mais Volt va vous expliquer un peu plus tout ça. Donc en fait, déjà je pense que, en gros, il y aura donc 3 places. Le troisième sera choisi parmi les personnes qui auront estimé juste ma première ultra rare. Donc ceux qui auront écrit Volt 2 points et la bonne ultra rare seront tous mis dans un groupe, et ce groupe, il y aura un tiré au sort et ce sera le gagnant du troisième lot des 2 boosters. Ensuite, ceux qui auront juste la carte de Pyro seront tirés au sort pour gagner le deuxième lot éventuellement.
Et ceux qui ont eu juste les deux ultra rares, c'est-à-dire la mienne et la sienne, seront tirés au sort, seront mis dans un groupe également et tirés au sort pour gagner le premier lot, le coffret collector. Voilà. Ensuite, ce qu'on pense, donc je rappelle aussi que si vous avez une question, si quelque chose n'est pas clair, demandez dans les commentaires, nous on se fera un plaisir de vous réexpliquer. Un message privé. Et également dans la description de la vidéo, ça sera expliqué de façon assez claire. En gros, à quoi doit ressembler votre commentaire. Donc ça sera Volt 2 points, Pyro 2 points avec une estimation des cartes. Voilà. On a pensé que ce serait intéressant aussi de vous dire quels sont les ultra rares d'explosion plasma, si vous ne le savez pas. Avant ça, juste préciser que si maintenant il y avait personne qui trouvait les deux ultra, donc pour la première place, comment dire ? Mais en fait, si par exemple, imaginez, la carte à deviner, les deux cartes à deviner étaient Viridium et Jirachi, par exemple, et que personne n'a trouvé ça, mais que quelqu'un a trouvé Viridium et Jirachi X Full Art, par exemple. Parce qu'il y a une différence entre le Jirachi X et le Jirachi X Full Art. Et bien, par exemple, on prendrait cette personne aussi dans le lot. C'est-à-dire que si personne ne trouve, on élargirait un peu les critères pour essayer de faire gagner quelqu'un. C'est notre but. Oui, parce que c'est quand même le but de faire gagner, de gagner ces lots. Si vraiment ça c'était dans le cas où personne ne devinerait. On espère que, normalement, voilà, vous avez vos chances pour deviner. Donc, on peut passer maintenant à la liste des... De toute façon, la liste, vous la retrouverez dans la description, elle aussi, éventuellement sur le site PokéCardex, où elles sont reprises en scan. Donc, voilà, vous aurez la liste complète des 16 ultras. Donc, les 16 ultras... il y en a 16? C'est toi qui les as comptés? C'est 16 ultras. Voilà, donc, c'est très simple. Il y a... C'est facile. Vous allez maintenant devoir estimer entre Viridium Full Art, Genesect Full Art, Curem, c'est la seule qui n'a pas de Full Art, faites attention... Jirachi ou Jirachi Full Art, Dialga ou Dialga Full Art, Palkia ou Palkia Full Art. Ensuite, vous avez Iris Full Art, c'est donc la trainer, la seule, enfin, la trainer dans les ex. Et ensuite, vous avez les secrets. Donc, pour les secrets, vous avez None of Shiny, Viridium Shiny, Nocturnar Shiny et le Super Bonbon. Exact. Donc, on rappelle que là-dedans, dans cette liste, il n'y a pas les high-tech. Donc, les high-tech ne comptent pas. On ne les considère pas comme des ultras. Donc, ce n'est pas à deviner. À deviner, voilà, ouais. Donc, les ultras ne sont pas pris en compte. Faites attention. Donc, c'est bien ces 16 cartes-là, les cartes qu'on vient d'énoncer, que vous retrouvez dans la description ou sur PokéCardex. Ne vous faites pas avoir. C'est bien ces 16 cartes-là. Voilà. Et je rappelle que votre estimation, en gros, vous allez estimer une ultra rare. Et cette ultra rare, ça sera celle qu'on tombera en premier. Ça veut dire que dès que je tomberai ma première ultra rare, ça sera très certainement dans la première partie de l'ouverture du display, et certainement pour Pyro aussi, le concours s'arrêtera ici. Bien sûr, si la vidéo est parue, il n'y a plus raison de participer. Voilà. Donc on mettra dans la description la date, et sur la vidéo aussi en annotation, la date de fin du concours, ça sera la date en fait de la première partie du display, tout simplement. Oui, sauf si bien sûr on ne tombe pas d'ultra dans la première partie, ça sera dans la deuxième, vous avez bien compris le système. C'est pour ça qu'on ne le dit pas tout de suite, si il devait y arriver qu'il n'y ait pas d'ultra dans la première partie, alors ça sera décalé à la deuxième, mais sincèrement je ne pense pas que ça sera le cas. Donc, ça n'a jamais été le cas. Donc, voilà, donc tentez votre chance dès maintenant pour essayer de deviner une de ces 16 cartes en mettant un commentaire avec Volt 2 points, Pyro 2 points et une des ultra rares qu'on a citées juste avant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les règles. Comme dit, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous demander en message privé ou dans les commentaires. On va y répondre. Il faut y répondre parce que... C'est important. Bon. Même si, alors vous êtes peut-être au courant, mais en ce moment, il y a des petits problèmes avec les commentaires YouTube, Google+, vous savez que c'est un peu le bordel. Si vous n'arrivez pas à commenter, mais que vous arrivez par exemple à envoyer des messages privés, n'hésitez pas, envoyez des messages privés. L'un ou deux vous répondra et puis éclairera votre lanterne par rapport à ce concours d'estimation en quelque sorte. J'espère juste que ça posera pas de problème pour le concours, mais ça devrait pas, pas être... Si éventuellement, par exemple, vous n'arrivez pas du tout à poster de commentaires, mais que vous voulez faire une estimation, vous pouvez aussi nous la poster par message privé, on la prendra en compte, et voilà, vous aurez autant de chances que les autres de tenter de deviner une de ces cartes. Voilà. Je pense que tout est dit. Tout est dit pour ça. Donc écoutez, on va se laisser ici, en tout cas encore merci 1000 fois pour les 1000 abonnés, et c'est le cas de grand dire. Merci. Et puis bonne chance à tous pour le concours. Estimez bien, on espère vraiment que vous avez estimé des bonnes cartes et qu'on va trouver de très bonnes cartes dans cette display. Ouais. Avant la display, bien sûr, on va ouvrir d'autres petites choses, bien sûr les tripacks, etc. Vous allez voir, ça va arriver sur la chaîne très bientôt. Donc restez connectés, pensez à vous abonner, c'est très important. Et puis on se dit pour la prochaine vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo qui seront en ligne La semaine prochaine. En tout cas courant de la semaine prochaine, on va dire. Voilà, on ne sait pas exactement. Salut. Écoutez, à la prochaine. Salut à tous. Salut à tous.